Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 8ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 3. Et est-ce que vous êtes prêts? Parce que cette fois-ci on va s'attaquer à du très lourd, on va s'attaquer à une ville. Et ouais, il est temps qu'on essaie de s'attaquer, voilà, bon, 7451 données, cet épisode commence bien. Ah merde, Comte Talbar de fin de campagne militaire, où est-ce que t'es Comte Talbar? Merde, bon bah attendez. On s'occupe du comte Talbar. Il est où? Il était près du château Terama. D'accord, il est par là. S'il est assis... Merde, j'ai oublié le... J'ai raté lui. Il doit être par là. Comte Talbar. Je suis là. Je suis prêt à te rejoindre. Du coup, il faut le suivre. Bon bah on va le suivre. Bon voilà, grosse baston. Bon, on est à 374 contre 26. C'est pas très compliqué. Hein? Avantage de combat 26, tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de renommée ajoutée. Nous, on fonce. Hein? Rien à foutre. On défonce tout le monde. Il y a à peine 3 canassons. Oui! J'ai fait 187 points de dégâts au cheval. Raté. Oh la vache. Ils se font défoncer. Oh là là. Raté. Alors. Nya. Ah, il en reste. Comment ça, je l'ai pas tué? Seulement 19 points de dégâts? Non mais, pousse-toi! Il en reste? Ah non, quand même. Voilà, on les a défoncés, c'est très bien. Ok, d'accord, on s'en fiche de ce qu'ils peuvent donner. Comte Curnias, Comte Talbar. Bah, il faut les suivre, hein. Mais qu'est-ce que vous foutez? C'est pas par là, les campagnes. C'est pas par là. Alors, attendez, est-ce qu'il y a le château... Oh merde, le château de Durin a été récupéré. Ah zut. Bon bah... Non merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon allons-y hein. Il doit avoir 3 Pékins. Ah merde, c'est encore long. Pff, bon bah je pense que je vais vous passer ça. Ouais, je vais vous passer ça parce que là on en a encore pour un paquet de temps, juste pour pas grand chose. Le mec il a juste laissé 19 unités sur le château parce qu'il y avait personne dedans, on n'a pas eu le temps de le récupérer. Oh là 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 là. C'est débile. C'est débile, j'aurais dû donner à faire donner l'assaut directement. Ok, c'est bon, on a récupéré le château, ça c'est bon. Bon, j'ai perdu le comte Talbar, je sais pas trop où il est. Tiens, casse-toi l'émir chevalier de machin là. Caché de bandits déserts, on n'y va pas. Bon, allez, on s'en fiche. On va directement aller s'attaquer à Duburka. Attendez, il y en a combien? Non, il y en a peut-être un peu beaucoup ici. On va aller voir du côté de Nara, peut-être qu'il y a un peu moins de monde. On va aller voir là-bas. Alors, il va falloir que je promeuve un petit peu mes unités avant de faire quoi que ce soit. Le chevalier. D'accord. Ok. Ils sont peut-être un peu moins. Ils sont... Ah, ils sont quand même 500. Ils sont quand même 500. Ils sont 500. Est-ce que je m'y attaque vraiment ou pas? Je me tâte vraiment en fait. Parce que là, 500. 500, mon Dieu, que c'est beaucoup. C'est pas rien. Ok, je suis... quand même bien équipé, tout ça. Mais 500, bordel à couille.
Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Je regarde un petit peu mon chez-moi. Comment ça, Pêchemi a été pillé? Mais c'est à moi, Pêchemi? Non, c'est pas à moi, Pêchemi. D'accord. Bon, j'ai échoué sur l'armée de Comte Talbar. Ok, d'accord. Oh merde, ils ont repris le château. Ok, bon, moi bah, j'en ai marre. Hein. C'est la deuxième fois que je le reprends. Mais ils ont repris les deux châteaux, mais c'est débile. Mais bougez-vous un peu le fion chez nous. On va aider le comte chevalier machin là, on va. On peut pas aider le siège? D'accord. Ah. Là, ça va prendre le truc. Ok, on va prendre le château rapidement. Le moral des troupes est faible. Comment ça, le moral des troupes est faible? On est peut-être beaucoup d'accord, mais... Il y a un cavalier Saranide qui a quitté le groupe, mais il faudra que je regarde mon moral. Bon, alors, on va prendre ce château rapidement, et ensuite, on va s'occuper d'une ville, parce que je commence à en avoir vraiment, vraiment marre. Bon, allez. Enfin, pouvoir attaquer, c'est tellement long. Là, il m'a fallu près de 3 minutes et demie pour approcher le... La tour des villes. Pourquoi c'est aussi long? Voilà, on s'occupe de cet endroit, ça va aller vite. Bon, c'est que des recrues. Ils sont même pas du coin en plus. Allez, poussez-vous! Laissez-moi passer. Non mais... Ah. Voilà. Soyons un minimum efficace. Voilà, c'est bon. Ok, on a repris ça. Ça, c'est bon. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre, en fait, de... Ok, c'est ok. Je vais aller m'occuper du dur que va. Parce que là, je prends des endroits. Ils sont tout de suite reprendre derrière. Voilà. Cassez-vous. Venez pas là. Je vais m'occuper de cet endroit tout seul. Allez, on y va. De toute façon, on s'en fiche. Ça passe ou ça casse, mais si ça passe pas, c'est pas très grave. D'accord. Bon, bah allons-y, hein. Des défenseurs surgissent de nulle part pour répondre à notre... C'était quoi ce truc? Il s'est passé quoi là? Quoi tout d'un... Ça m'était jamais arrivé, ça encore. Les mecs, pourquoi... Il y a des gens qui étaient dehors. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Viens là. Maintenant, maintenant qu'on est là, on peut rentrer direct au sein intérieur? Ah, ça m'a tout l'air. Ah, quoique. D'accord, non, en fait, on a juste... On s'est juste occupé des remparts, d'accord. Allez, c'est bon, on peut y aller cette fois-ci. Allez, go, 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 go. On en a 400 à les tuer. Sachant qu'ils ont un avantage de combat large... supérieur au nôtre. Wow. Allez, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce que... Quoi? C'est vrai qu'ils ont plein de tirailleurs dans tous les sens. Va falloir qu'on s'en occupe de ces tirailleurs, hein, parce que sinon, ils vont nous... faire un sacré...
foutoir. Pourquoi il n'y a qu'une échelle? Vous voulez pas en poser plus? Je subis plein de points de dégâts à cause des flèches. Allez, poussez-vous, je veux passer. Je vais arrêter de me prendre des dégâts. Oh là là. Allez. C'est bon, vous êtes tous très nuls. Putain, 10 points de dégâts. Mais poussez-vous, je suis une cible facile. Je vole, là. Voilà, ça y est, j'ai pris 30 points de dégâts. On n'a pas encore commencé vraiment la baston. C'est d'un ridicule. Oh là là. Bon, un mort contre 32. Oh là 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 là. Oh, cette action à la John Cena. Voilà, ok. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Voilà, c'est bon. Pourquoi ça se bat encore là-bas? Parce qu'ils vont arriver ici, hein. Help! Venez par ici. Ah merde! Voilà, venez là. Je vais chercher les tirailleurs de là-bas qui m'énervent. Bon, on est à 2 contre 60 pour l'instant, ça va bien. Allez, on va aller chercher. Voilà. Plus de tirailleurs. Ok. Ils se font ridiculiser. Oula, oula. Oh là 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 là. Je prends quand même pas mal cher. Ils ont décidé de se foutre au milieu, je comprends pas leur tactique. Allez, mais pourquoi je peux pas taper? Allez, la suite qui arrive. On va se cacher derrière un mur. Non, pourquoi j'ai fait ça? Alors faut vraiment se méfier parce que là s'il y a des tirailleurs qui font le taf, on va galérer. Mais c'est vraiment dégueulasse. Je suis censé faire un coup au-dessus. Et je fais tout sauf des coups au-dessus. Comment ça se fait qu'ils meurent pas? Ils ont... Je leur fais plus de points de dégâts que n'importe qui. Et je les tue jamais. 3 contre 117, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Mais venez avec moi, je sais pas. Allez, on avance. Oh la vache. On n'a pas des renforts qui sont arrivés parce qu'on a quand même pas mal perdu. Tirailleur, casse-toi. Allez vite. Oula oula, je sens mal.
Oh la vache. On est à combien? 5 pour 143? Ouais, non, moi je suis d'accord. C'est pas mal. Allez, chargé. Pourquoi? Si on fait charger, il retourne en arrière. Suivez-moi. Bon, par contre, là, je peux pas avancer. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, bon, on va les laisser faire, hein. Oh là là. Moi, j'ose pas trop avancer parce que j'ai quand même plus qu'un tiers de vie. Puis, de toute façon, ils se font bien défoncer. Laissez-moi passer un peu quand même, que je puisse continuer à taper. Qu'est-ce qu'ils font? Attendez, charger, libérer un peu l'espace. Oh, que je déteste ce jeu. La mort du fun des fois. Voilà, on va aller chercher ces jeux, mais vraiment, c'est-à-dire on fait pas semblant, on fait pas genre oh, si on arrête, il y a un mur invisible devant chez nous, on veut pas avancer, on veut se faire laisser faire du tir au pigeon. Non, non. Oh merde, 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 non, non, je vais pas tomber, je vais pas tomber, je vais pas tomber. Vous êtes sérieux, comment? Allez. 7 pour 192. Ah oui, quand même. Ok. Les remparts, c'est bon. D'accord, donc là, on a les rues. À 4. Ok, d'accord. Le groupe a largement augmenté en morale. C'est cool. Ça va que j'ai récupéré de la life. T'as la vache, mais... Borcha, il était assommé tout de suite. Il est super nul. Voilà. Il en reste. C'est passé par où? Non, vous faites pas défoncer sans moi, les gens. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis où? Oh là là, ok. Alors, je dois y être. Pas du tout. Mais où est-ce qu'ils sont? Merde. Vous êtes partis où? Oui. D'accord, on a gagné, mais... Oh là là. Bon, allez. Château. Putain, ma renommée, elle augmente tellement fort. Bon, voilà. Allez. Il reste un. Victoire. Bon. On l'a eu. Bon, ils ont réussi à se barrer pour la plupart, mais... Mais, on a récupéré une grosse ville. Et ça, c'est cool. On va recruter un petit peu, on va recruter des gens. Voilà, qu'est-ce que je pourrais recruter d'autre? Donc en fait c'est faisable, c'est largement faisable. Ouais, ouais, bah du coup je pense qu'on va s'attaquer à la moitié de la carte ou presque. On va s'attaquer à la moitié de la carte et là ça va être drôle. Ah oui, quand même, on a récupéré pas mal de choses. Ouais, je regarde un petit peu, bon. Je prends des trucs, mais c'est histoire d'eux. Je veux bien récupérer l'autre ville. Ça serait cool. Il y a un tournoi, ok, il y a un tournoi ici. Non, pas la reine.
La taverne, je vais voir si je peux pas vendre les Pékins. Garde de caravane, belligérant saoul. Allez, boum, il va essayer de m'attaquer. Que dalle. Quel gâchis. Ok, j'espère qu'il est pas mort. J'espère qu'il est pas mort. Bah oui, il est pas mort. Je l'ai juste. Je lui ai juste fendu le crâne avec ma grosse épée. Ce qui avait une. Comment dire? Il y avait un sous-entendu assez phallique, assez important. On va acheter d'autres nourritures, d'autres types de nourriture, histoire de faire monter un petit peu le moral du groupe. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il va falloir que je poste une garnison, ça c'est clair et net. Déjà, on va upgrader un petit peu nos unités. Parce que là, on va se retrouver avec deux villes. Et deux villes, bah, ça fait beaucoup. Ça commence à faire un peu beaucoup. On va en donner quelques-uns. Je sais ce qu'on va faire. On va donner. Bon, on va donner un peu au pif, dans tous les sens du terme. Hein. Je vais descendre à 50. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais. Ah non, peut-être pas les hommes d'armes. Les hommes d'armes, c'est pratique. Cavalier Kerguit, on va en donner quelques-uns. Je vais descendre à 50. Voilà. Qu'est-ce qui est au sol, fantassin? Ah, il y en a quand même beaucoup, hein. J'ai beaucoup de cavalerie, ce qui est une très bonne nouvelle, en fait. Et là, il va falloir. Là, clairement, il va falloir qu'on s'occupe de récupérer des unités à nouveau. Voilà. Peut-être rapport moral du groupe 86, c'est bon. Donc là on est à 50-70. Alors, du coup, on va recruter des volontaires. Là, pas le choix, il va falloir recruter des volontaires un peu partout. Donc là, il n'y a plus de jaune. Oh, ils ont plus rien du tout, ou presque. C'est ridicule. Donc, alors là, il va falloir qu'on fasse le plein de jaune. Assiégé? Comment ça, assiégé? Cassez-vous. Allez, on va charger. 49 contre 64. On va les défoncer. Parce que là, j'ai ma cavalerie. J'ai ma méga cavalerie qui tue. Ah là, déjà, c'est moi qui ai fait le premier kill. Alors. Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Tut, tut, tut. Je suis actuellement en mauvaise position. Parce que actuellement je ne comprends. D'accord, il y avait toi qui me gênais. Je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait. Voilà. De nouveaux ennemis sont arrivés, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas avancer? Ah, voilà. Viens là, viens là. Bon, ok, d'accord, je me casse. Tu m'énerves. Alors, bon, là, il y a des gens au sol, c'est un peu mieux. Cela dit, j'ai pas réussi à en tuer. Si, j'en ai tué un hein, quand même. Je veux dire que j'avais pas réussi à en tuer un seul, mais. Oh! Comment ça, tu t'es arrêté? Il avait même pas dégainé, ça avait beau être un lancier. Il avait pas dégainé son arme. Oh là là. Non mais. Dans quel monde ça passe pas ça? Mode gros rageux activé, mais bon. Allez, là il en reste 4 qui traînent. Je sais pas où.
Arrêtez de me passer devant. Allez, il y en a un là-bas, il y en a un autre là-bas. Ah, il y a toujours cet archer monté qui m'énerve là. C'est bon. Victoire. Facile ce jeu. Facile. 46 contre 2. D'accord. Alors. Il y en a vraiment deux, quoi. Méga baston. D'accord, ils ont réussi à s'échapper, c'est pas très grave. C'est pas très grave du tout. Bon, on va prendre des canassons, vous savez quoi, hop. Parce qu'on a réussi à libérer tranquillement notre jeune cité. Que nous venons récupérer maintenant. Maintenant. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment récupérer des unités partout. Petit groupe d'ennemis repéré près de Duburka. Je regarde un peu. Il va falloir que j'améliore des unités. Alors, Rolf peut monter de niveau. Il y a Mattel qui peut monter de niveau aussi. Je le ferai plus tard. Par contre, assiégé encore. Va falloir que je reste à côté, j'ai l'impression. Ah non, c'est plus long. C'est plus assiégé. Un peu peur. Ouh là 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 là! 9000 deniers, mais c'est dingue. C'est complètement dingue. J'ai tellement d'argent. Je suis pété de thunes, littéralement. Alors, nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment recruter des volontaires. Des recrues saranides, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que, au final, ils ont un moral un peu moins important. Ah merde, ça rejoint le royaume des Nords encore. Mais pourquoi ils rejoignent tous le royaume des Nords? Morale, qu'est-ce qu'il y a? Taille du groupe, moins 68, ok. Moins 26 pour le sultanat des Saranides, ah oui, d'accord. Je vais juste regarder un peu. Est-ce qu'ils sont encore barrés en emportant des châteaux? Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ok, donc nous on continue à aller chercher des unités, hein. On va faire ça. Alors là, ils sont hostiles à mon égard, c'est pas cool. Là aussi. Là, il va falloir qu'on aille chercher un peu des unités Rodok, un peu, qu'on change un peu. Tac. Hop. Voilà, quelques unités Rodok. On cherchera aussi des unités Swadiennes. Voilà, on est à 88. Faudra bien sûr que je les upgrade, hein. Ce qui va me coûter encore maths thunes. Alors, Nomar, non, je crois qu'ils veulent pas. Ah, si, peut-être. C'est Tipstein, je crois qu'ils veulent jamais. Ah non, Nomar, effectivement, ils veulent pas du tout. On va revenir du côté de Almar. Alors, personne en rejoindre. Alors. Ah, il y a des bandits. 48 bandits, bah voilà, ça va faire un peu d'XP. Oh là là. On va leur charger à la gueule, vous allez voir, ça va pas être drôle. Toc. Allez, moi je tape dans le tas. Sauf si, évidemment, il y a des gens qui m'empêchent de taper. Je fais que des coups d'estoc, ça touche. Et ça tue. Voilà. Mort de rire. Victoire, direct. Libération de village, tranquille. Hop, un petit port, c'est très bien. Recruter des volontaires.
Et puis voilà. Je pense que on va. Ah, pied, c'est pied, pied, ouais, c'est pied. Je pense qu'on va arrêter là l'épisode parce que on a fait quand même pas mal de choses. Ouais, voilà, je pense qu'on va vraiment arrêter là. Je regarde un petit peu si du burqa n'est pas assiégé. Non, c'est bon. On va arrêter là l'épisode. Je pense que dans le prochain épisode, on va s'occuper de Nara. Et puis, je pense qu'on aura fait le tour du. Quasiment le tour du sultanat des Saranides. Je pense qu'ils pourront plus rien faire. Et il restera pas grand chose à faire pour virer une deuxième faction de la carte. Et ensuite, on s'attaquera, bien sûr, je pense, au royaume des Nords. Il faut vraiment qu'on les élimine. Si on élimine ceux d'ici. Et voilà, si on élimine ceux-là et les châteaux qui traînent chez nous, on n'aura plus qu'à s'occuper tranquillement des dernières factions qui restent, parce qu'on aura la moitié du continent à nous. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis on se retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien!